Bonjour, bonjour, ici Stéphane et on se retrouve pour une vidéo, une nouvelle vidéo Avis Film. Pour ce soir, c'est un film qui est sorti le 26 juin 2006. Un genre thriller policière comédière. Un film de Paul McGuinn avec Morgan Freeman, avec un casting incroyable, mes amis, avec Morgan Freeman. Il y a Bruce Willis dedans, il y a Stanley Tucci, il y a Joss Astley, Cerimane Kintley et Lucy Liu. Je vais vous parler du film Sleeping, voilà. Un petit chef-d'œuvre pour moi, un petit. Pas un grand chef-d'œuvre quoi, mais un super thriller pour moi. J'ai vu. Faut bien réfléchir encore les thrillers. En fait, Sleeping, en fait, c'est un gars qui vient de perdre sa copine et il va demander à son copain de l'héberger. Mais dans l'appart, il n'y a personne, tout ça, il n'y a personne. Et puis après, c'est là que deux personnes qu'il enlève, quoi, il enlève, ils vont emmener cette personne voir leur patron, tout ça. Après, c'est là qu'ils demandent une somme incroyable. Mais cette personne demande de tuer une autre personne, un autre mafieux, quoi, qui s'appelle le rabbin, voilà, il s'appelle le rabbin. Et cette même personne, ils habitent côte à côte, quoi, dans deux gros immeubles. Puis c'est des mafieux vraiment puissants, tout ça. Et c'est là qu'on apprend que le rabbin a tué le fils du boss. Et le boss a tué le fils du rabbin. Et Slevin, là, il est qui le boss et le rabbin qui croit c'est son copain là, mais en fait c'est pas lui, et c'est là qui est piégé, tout ça. Et Bruce Willis, lui, c'est un qui il fait un peu des missions avec le rabbin et des missions avec le boss, et c'est là qui on va voir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Après, il y a les flics, les gendarmes, tout ça, ils sont. Voilà, qui va choisir entre. Voilà, c'est un peu ça l'histoire, quoi. Et le début d'histoire, en fait, c'est un parieur qui se fait avoir, quoi. Un parieur, il perd une course de cheval. Et il doit de l'argent aux deux mafieux là, et c'est là que je raconte pas trop d'histoire. C'est à vous de voir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et moi, pour moi, c'est un voilà, c'est j'aime bien moi les genres, les thrillers. C'est toujours pour moi les thrillers, c'est voilà, c'est pour tuer, pour trouver le tueur, tout ça. Jamais j'adore ça, les films là, les films comme ça, c'est. On s'ennuie pas, quoi. Et puis des acteurs incroyables, Morgan Freeman et Mila, très bon, hein. Le show là est très bon aussi. Et Joss Hartley, qui joue Slevin, qui est pas mal aussi. Voilà, un casting incroyable, quoi. Et un film que je croyais vraiment c'était un film comme ça, mais c'est un très bon film. C'est pour ça que je mettrai la note de 4 étoiles. Un très bon film, mes amis. Je vous conseille vraiment. Un film à revoir une fois de sa vie. Pour moi, c'est un très 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 bon thriller. Une surprise pour moi. Et il mérite vraiment 4 étoiles pour moi. Un film à 4 étoiles. Voilà, quoi. Et ce film-là, vous pouvez le trouver. Moi, je l'ai en. Ça fait longtemps que je lis ce DVD-là. Et le DVD-là, je crois que vous pouvez aller, il y est en Blu-ray à 12 euros.
12 €, voilà. Et ce film-là, il a déjà 14 ans déjà. Et toujours aussi bien. Hein. Très bon, très bon, très bon. Et je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un petit bijou. Et ceux qui l'ont vu, dites-moi s'il est bien ou pas. À vous de me dire quoi. Mais pour moi, c'est un très, très, très bon film. Et je vous conseille vraiment à le voir. Voilà, c'est un très bon film. Voilà. Voilà, mes amis, moi je vais vous quitter hein, pour ce bon, très bon, très bon thriller Sleeping, quoi. Je vous conseille vraiment. Et moi je vous dis à autre vidéo. Peut-être je vais regarder peut-être un film. Parce il est encore tôt là. Il est que 22 h. Il y aura 23 h là. Je vais te regarder un petit film. Je sais, je vous ai dit la semaine dernière. Il n'y aura pas tout le temps des films à vue film, mais là c'est. On verra quoi. Voilà. Allez, mes amis, moi je vous laisse. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure ou à demain. Voilà. Allez, ciao et bonne soirée à tous.